Excusez-moi pour le dérangement. En fait, je suis à la recherche d'un jeune homme, un footballeur, de cette taille, teint bronzé, Tony Yobo. Voilà. Vous êtes la police? Hé, hey, Tony a encore fait quoi? Non, mais l'enfant là va me tuer, ce n'est pas possible. Hé, hey, Tony! Si ce n'est pas. Chaque fois, il faut que quelqu'un vienne toquer à la porte. Hein? Si ce n'est pas une camarade de classe, c'est un camarade de classe. Si ce n'est pas un professeur, c'est un passant. Tony, Tony, Tony. Qu'est-ce qu'il me veut à la fin? Qu'est-ce que tu me veux, Tony? Tony! Non, le jour où je suis allé avec sa mère, j'aurais dû prendre le préservatif. Sérieux, quoi. Ah. Sérieux. Je vais l'amener chez sa grand-mère. Elle va s'occuper de lui. Si. Avec ses magies africaines, elle va s'occuper de lui. Je pense qu'à cette allure-là, je vais faire un test de paternité. Parce que je ne sais pas si Tony est mon fils. Monsieur, je ne suis pas de la police. Non. Vous n'êtes pas de la police? Non. Je suis Monsieur Charles Ekong, agent de joueur certifié par la FIFA. À boire, on a du cognac, du pastis, de la liqueur, il y a du déguet. Non, merci, ça va. D'accord. Ça va. Alors, je suis curieux de savoir ce qui amène chez nous un illustre agent de la FIFA. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé de maison. Pas vraiment. C'est ici que réside le jeune Tony Yobo, n'est-ce pas? Effectivement, c'est moi son père, monsieur Yobo. Voilà, tout est bien alors. En fait, la semaine dernière, j'ai assisté à un tournoi de foot de rue dans l'autre quartier. Et c'est là que j'ai découvert un talent. Un grand talent d'ailleurs. Votre fils en l'occurrence. Mais juste après, je l'ai perdu de vue. Et je me suis donc renseigné auprès des personnes présentes pour savoir où est-ce qu'il résidait. Et c'est juste après cela qu'elles m'ont conduite ici. C'est la raison pour laquelle je vous rends cette visite-là. Voilà, pour voir le génie et puis échanger avec vous. Génie. Soyez le bienvenu. Chez nous, on dit à quoi bas. Vous savez, c'est très important d'être en parfaite collaboration, harmonie avec le voisinage. Vous savez, c'est pour ça que les gens ils n'hésitent pas à faire le geste qu'il faut. Et voilà. Tony! Tony! Oui, papa. Viens! Allez, viens, mon fils. Allez, dis bonjour, monsieur. Bonjour, Tony. Enchanté. C'est lui, mon fils. C'est mon fils prodige. Je l'ai pensé. Je l'ai cogité. Je l'ai imaginé. Je l'ai voulu. Je l'ai prié. Vous savez, les gens, ils pensent que les génies, ils viennent comme ça. Ah non, un génie ne vient pas comme ça. Oui, effectivement. Bah oui, Alpha Blondie, Ernesto J.J., Bob Marley, Michael Jackson, oui. Elvis Presley, Fellaini Poulakokuti, Zélé de Papara. Ils ne viennent pas comme ça. Moi, je vous raconte une anecdote. Je suis à la maison avec mon épouse, sa mère, elle n'était pas encore là. Et puis, vous voyez les étoiles filantes. Il y a une étoile qui file comme ça, et puis à un moment, elle s'arrête au-dessus de la fenêtre. Voilà. J'ai eu la même réaction que vous. J'ai fait ça. Je dis, chérie, viens là. Ça, c'est un événement. Il faut qu'on saisisse cette occasion-là. C'est un peu comme l'histoire des trois mages qui vont suivre l'étoile, qui va les mener à Jésus, le Saint, le Messie. Ouais. Et on rentre dans la chambre. Bon, je vous épargne les détails. Oh, je te dis pas ta mère. Hein. Bon, bref. Et lui, il vient au monde. Et un jour, je suis au Brésil en vacances. Carnaval. Copacabana. Ting, ting, ding, ting, ting, ting. Et je vais au stade Maracana pour suivre un match. Et qui est-ce que je vois? Elton Arantes do Nascimento. Pele. Garincha lui fait la balle. Il a morti de la poitrine. Elle de pigeon. Ping de la tête. But. Et quand je rentre à Bijan, une vision, mon fils, je dis, toi et le foot, vous ne faites qu'un. C'est et puis ça. Paf. Et puis là, voilà. Je vends ma voiture, je vends tout ce que j'ai de cher et tout. Je vends pas ma femme. Je vends tout. Et je lui achète des chromosomes dans un centre de recherche certifié et tout. Et puis, vous savez, il est plus fort que Ronaldo, Messi, Drogba, réunis. Wow. Il dribble mieux que Okocha, JJ. Il dribble mieux que Eden Hazard, que Popito, Popozal. Vous connaissez Popito? Kader Keïta. Oui, Kader Keïta, voilà, je connais. Papa, oui. Je suis défenseur.